Invitée de Télématin, ce lundi 19 juin 2023, Roselyne Bachelot revient sur la façon dont Jean Castex lui a proposé le ministère de la Culture et utilise de surprenants qualificatifs pour parler de l'ancien Premier ministre. La verve de Roselyne Bachelot a encore frappé. Ce lundi 19 juin 2023, la femme politique était invitée de Télématin sur France 2, afin d'évoquer son passage au ministère de la Culture, qu'elle raconte dans son livre intitulé 682 jours. L'occasion pour elle de revenir sur la façon dont Jean Castex, le Premier ministre de l'époque, a réussi à la convaincre de rejoindre la rue de Valois, alors qu'elle avait répété durant plusieurs années qu'elle ne souhaitait plus exercer de fonction ministérielle. Et elle semble avoir une façon bien à elle de parler de l'ancien chef du gouvernement. Les drôles de surnoms de Roselyne Bachelot pour parler de Jean Castex. Interrogé par Julia Vignali, Roselyne Bachelot le reconnaît d'emblée, être ministre de la Culture si est-il vrai que c'était un rêve, et d'ajouter « Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi on ne me l'avait pas proposé alors qu'on m'a proposé des postes extrêmement importants et prestigieux », a remarqué celle qui avait effectivement déjà été ministre de l'Écologie puis de la Santé. Elle raconte alors, « Quand je vois le nom de Jean Castex s'afficher sur mon téléphone, ce fameux vendredi soir de juillet 2020, je me dis, quand un Premier ministre nouvellement en poste vous appelle, ce n'est pas pour vous proposer de prendre le thé, donc je sais très bien qu'il va me proposer de revenir au gouvernement et je me dis, Roselyne, sois ferme, tu dis non. Et je lui ai dit non. » Et d'un ton douloureux, ce pervers me fait, et si si esti pour être ministre de la Culture je me suis dit, ah le voyou, il m'a pris par les sentiments, a-t-elle dévoilé, affublant, au passage, Jean Castex de surprenants qualificatifs. Comme un vieux soldat qui a rangé son fusil. Roselyne Bachelot assure n'avoir pu résister face à une telle offre, je me suis vu comme un vieux soldat qui a rangé son fusil dans l'armoire mais qui regarde quand même s'il peut encore fonctionner, et puis j'ai foncé, a-t-elle déclaré promettant tout de même, maintenant qu'on m'a appris une fois, non, le piège ne sera plus tendu.